Salut, vous êtes là, bienvenue dans ce tutoriel. Alors, ce tutoriel est à propos de la fixation d'une adresse IP V4. Pas que, je vous donne pas mal d'infos concernant une adresse IP V4. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que il y a pas mal d'informations qui vont venir sur la chaîne concernant le domaine de l'informatique. Ok, là je vais juste télécharger un outil que je vais utiliser pour faire un diagramme tout à l'heure pour vous montrer ce que nous allons faire, et vous aurez des notes aussi, hein. Bon, c'est comment télécharger ces trucs là parce qu'ils ont changé la procédure. Ok, normalement, en principe, si je vais par là, en fait, IP signifie Internet Protocol. C'est ce qui vous donne accès à Internet. Et si votre réseau est alimenté à Internet, ok, si vous avez payé votre abonnement, ok, chez Free par exemple, chez d'autres opérateurs. Eh bien, c'est cette chose-là qui est une adresse IP qui va vous permettre de sortir, d'aller surfer sur Internet. Sans ça, vous n'aurez pas les informations que vous aurez sur Internet, puisque vous n'allez pas pouvoir sortir de votre réseau local, en fait. Ok, de votre réseau local. Vous aurez les informations du réseau, mais si vous sortez, si vous voulez aller voir quelque chose sur YouTube, sur Facebook ou exemple, hein, gouvernement, d'autres sites, et bien c'est cette chose là, je laisse à télécharger, après je vais venir l'installer avec vous, qui va vous donner accès à Internet. Aujourd'hui je vais vous montrer comment le fixer, puisque lorsqu'ils sont, bon là l'image n'est pas trop correcte donc je vais le changer, certaines machines n'ont pas, enfin certaines machines ont besoin d'une adresse IP fixe. Par exemple un serveur que ce soit du Windows, du Linux ou Mac, eh bien il lui faut une adresse IP fixe. Donc je vais vous montrer comment fixer ça. Par exemple les informatiques réseau, il est conseillé de une adresse IP fixe. Ok, donc on va voir ça ensemble. Là, c'est beaucoup plus propre. Là, l'image que vous aviez tout à l'heure, c'était un tutoriel qui était réalisé par ici. Ok, ça c'est le dernier tutoriel que j'ai mis à disposition des abonnés de la chaîne. Avant tout, après les internautes, je vous ai montré comment filtrer les équipements qui se connectent sur votre réseau Wi-Fi. Comme ça, vous les interdire sans voilà, comme ça ils peuvent pas se connecter. Ok, donc allez voir ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, liker et tout. Si ça vous a plu, comme ça, on va avancer. Donc, je vais prendre le bloc-notes. Bon, le bloc-notes, je vais mettre de la couleur, parce que j'aurai besoin de la couleur. Je vais prendre le WordPad. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ce tutoriel. Affichage, donc je vais dire ce que je sais que je pouvais afficher ça correctement. Je vais voir affichage oh si j'ai un de ceci, bon bah tout est bloqué là du coup, voilà. En fait vous avez typé, je vais mettre la taille du texte à la taille qu'il faut, donc je vais mettre à 37 par exemple, 37, très simple. Vous avez I, okay, par exemple si je fais IP V4, chose signifie, cet acronyme, cette abréviation signifie Internet Protocol version 4, puisqu'il y a la version 6 qui est dans le parage, donc qui fera son arrivée bientôt, bien que qu'on commence à utiliser dans les grandes entreprises, hein. Mais
Pour les utilisateurs lambda, c'est la version 4 que ça utilise. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ceci, bon, je vais mettre le signe égal, pas le plus, mais égal. Je retourne en majuscule. Je vais mettre ma chaise bien parce que j'ai l'impression que tout me complexe. Okay. C'est un espace I qui signifie Internet. Et ça, je vais mettre ça en vert, cette partie-là. Donc, il y a des jeux de couleurs. Je coupe de vous concentrer, s'il vous plaît, afin que vous puissiez comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment fixer cette adresse IP qui est vraiment simple. IP, donc P, ceci, majuscule. Là, je suis en noir, je vais passer en vert, je vais passer en noir. Donc, P, lui, c'est pour. Ok, puisque là vous suivez, le V c'est pour vert sur, d'accord, puisque là vous suivez, et le chiffre 4 c'est pour la version 4, donc lorsque ça sera 6, ça va être le protocole version 6, donc du coup ça va être 6 ici, donc IPv6, et sûr que ça commence déjà à faire son arrivée, donc on reste dans la version 4. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous aurez compris ceci. Donc, je vais finir le petit schéma là que je faisais. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. C'est bon. Vous aurez compris, hein, lorsque le 6 va faire son arrivée, ça va être 6 à la place du 4 ici. Vous avez compris ceci. Pourquoi on a besoin de fixer une adresse IP? Les gens qui travaillent dans le domaine, ils savent. Maintenant, les gens qui ne savent pas ou qui souhaitent se diriger vers ce domaine, faut savoir qu'il y a des équipements qui nécessitent une adresse IP fixe, tel qu'un serveur, ok, ou bien une imprimante, par exemple. Ce type d'équipement ou un automate programmable ou tel d'autre, eh bien, ce sont des équipements qui vont être sollicités pour des services couramment dans les entreprises. Bon, vous aussi chez vous, vous allez savoir comment ça se passe. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de fixer l'adresse IP, qui n'est pas compliqué à faire. Pourquoi? Il y a plusieurs façons de procéder. Donc aujourd'hui, je vais montrer comment procéder de façon graphique, okay, avec les clics. Pour les débutants, ok, pour les professionnels, il y a des tutoriels sur la chaîne montrant comment faire déjà. Donc, si vous avez des soucis, faut savoir que pour fixer une adresse IP, il n'y a pas de, à ma connaissance, peut-être qu'il peut y en avoir, hein, je sais pas tout, des protocoles qui vont fixer l'adresse IP. Bon, il peut y avoir des petits outils, donc là je vais voir, mais je vais pas vous dire des conneries, mais par exemple, pour laisser attribuer automatiquement des adresses IP à des machines, il y a un protocole qui le fait, donc qui s'appelle DHCP. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous mettre l'égal qui signifie D pour dynamique. Dynamique. OK. Et le H, c'est pour ROS. Machine, ok, donc les ordinateurs, ce sont des machines. Et puis le C, qui lui seul dit que c'est configuration en français. Et puis le P pour protocole, qui est un protocole. Donc si vous voulez savoir ce que c'est un protocole, vous faites un tour sur Google, vous tapez protocole. Ok, donc voici ce que signifie cet acronyme. Hein. Ok, DHCP. Donc le D c'est pour dynamique, on reste là-dessus. Le H c'est pour host, on reste là-dessus aussi. Très simple. Ensuite le C c'est pour configuration.
configuration, configuration, et vous aurez P comme protocole. C'est ce que signifie. Ce protocole-là, lui, à partir du moment, de façon automatiquement, par exemple chez les box, c'est configuré automatiquement. Bon, maintenant sur le serveur, tout dépend du réseau que vous utilisez, vous aurez à configurer ce protocole-là, si on vous le demande. Là-dessus, vous pouvez aussi faire des restrictions d'adresse. Par exemple, si vous savez que vous avez donné à telle machine une adresse IP, par exemple un ordinateur, un serveur, l'adresse IP X, vous l'avez fixée, faites attention, lorsque vous configurez ce protocole-là, à faire des restrictions d'adresse comme ça, il ne va pas distribuer cette adresse que vous aurez fixée à une machine, que ce soit un ordinateur ou une imprimante ou autre chose, une tablette ou autre chose. Bon, après, les tablettes, smartphones, ça reste à voir. De toutes les façons, si une machine contient déjà une adresse IP sur un réseau, il n'est pas possible de distribuer cette adresse à une autre machine. Donc, c'est pas possible ça. Donc, c'est le but du tutoriel aujourd'hui. On va voir comment fixer une adresse IP tout simple, mais ça c'est le titre, hein, mais vous avez pas mal d'informations qui vont être distribuées. Cette chose, je veux dire, avec Internet Protocol version 4, c'est ça qui vous donne accès à Internet, qui vous fait sortir de votre réseau local, aller chercher des informations sur Google ou autre chose. D'accord? Si vous n'avez pas d'adresse IP, ben, tout simplement, vous n'allez pas pouvoir sortir, aller sur Google. D'accord? Par exemple, lorsque vous achetez votre box, que ce soit chez les opérateurs que vous connaissez, moi, par exemple, je suis chez Free. Donc, on aura un opérateur que j'affectionne, qui trouve des solutions. Bien que, bon, on a tous ils ont tous des contraintes, hein. On a tous des contraintes. Donc, c'est comme ça le travail. C'est comme ça. Mais vous l'avez configuré automatiquement ce service-là sur vos box. Donc, ce qui fait que lorsque vous connectez, quel que soit en filaire ou en Wi-Fi, ben vous recevez une adresse IP du réseau, hein, qui vous dit que bon, ben, c'est bon, cette machine a une adresse IP, et puis y aller sur Internet. Voici le but. Mais voilà, hein, ne vous inquiétez pas, c'est configuré automatiquement tout ce qui est IP, tout ceci par votre FAI, fournisseur d'accès Internet. Ok, donc ce qui veut dire que Free et tant d'autres. Ok, donc c'est fait. Donc je vois où on est. Ouais, j'ai fait une télécharge. Je vais l'installer sur cette machine puisqu'il n'est pas encore installé. C'est une petite application. Je vais vous montrer ce que je vais faire là. Je vais utiliser 3 machines. Ok, 3 machines, puisque je pourrais pas faire, parce que une fois que je coupe la connexion, ben ça peut poser problème. Ok, bon, je fais ok, là j'installe l'application, c'est pas le but, c'est très simple. Vous suivez desktop create et desktop icône, donc là je vais le créer direct parce que je veux que ce soit sur mon bureau. Ça c'est fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, comme ça je vous partagerai plus d'informations. On part cela là que je comprends pas pourquoi ça ne bouge pas si je tourne. Ok, ça reste à voir. Donc si c'est quelqu'un qui s'est mis à me bloquer sur ça là, par exemple le travail là, il faut justement respecter le travail des personnes, parce que le travail, c'est pas de la magie, mais les lois sont bien tracées. Moi, j'ai été apprendre pour vous informer tout ceci. Vous allez voir, je ne veux pas vous divulguer des fausses informations, ne serait-ce pour avoir des vues ou autre chose. Lorsque j'ai mis point comme ça, en fournissant des bonnes informations qui peuvent servir, que ce soit un utilisateur standard ou autre, bien, respectez ceci, s'il vous plaît. Donc, la moindre des choses, je parle aux administrateurs des réseaux, là. Si vous voyez des tutoriels qui n'aient pas de choses mal intentionnées, par exemple des photos nues ou autre chose, laissez ça passer s'il vous plaît, parce que ce sont des connaissances que je souhaite faire passer qui peut vous être utile, qui peut être utile aux autres ici, quoi, parce que voilà, chacun a son domaine,
Mais mon domaine, qu'est-ce qui est l'informatique, a son importance en 2022. Là, j'ai un souci sur ma chaîne, je vais le régler. Après, je vais revenir parce que là, c'est pas ça, c'est pas ISO, c'est réseau. Donc, ici, donc, ce que je vais faire, comme vous allez voir aussi, personnaliser la chaîne. Ça concerne la chaîne YouTube, tout simplement. Ok, donc on personnalise information générale. Je vais juste brancher un ordinateur qui m'a fait signe de décharger là. C'est bon. Ok, donc information générale. Donc là, j'enlève le H. Je mentionne un réseau ici. Parce que des fois, j'ai des petites choses comme ça que je comprends pas. C'est pour ça que je dis aux gens, respectez le travail des gens, vous ne savez pas ce que vous faites. Le travail de quelqu'un, on ne monte pas dessus, faire n'importe quoi comme ça. Le résultat que vous aurez, ça peut vous poser des soucis. Donc, respectez, soyez plus humble possible. Donc, moi, je ne vole pas. Voilà, ce sont pas des fausses informations que je véhicule sur cette chaîne YouTube. Qui peut dire que voilà, me faire un petit peu. Voilà. Par exemple, ça, je sais que j'avais mis réseau, là, c'est un H qui s'est mis. Mais, il faut savoir, si vous n'êtes pas assez fort pour connaître les secrets d'un métier, les approches informaticiennes, en aucun cas, je veux monter sur le travail d'un menuisier, par exemple. Ça va, je peux monter sur le travail d'un mécanicien puisque je suis mécanicien de base. Par exemple, autre chose, par exemple, une chose tout simple, hein. Un agent d'entretien de service de bureau ou voilà, un agent, pas celui qui nettoie le bureau, tout ça sont des travails respectables. Je vous déconseille de monter là-dessus, faire n'importe quoi juste pour retourner la personne en arrière pour jouer dans son état mental. Donc ce n'est pas ça le but du tutoriel, juste un petit message que je souhaite passer. Ça c'est fait. Donc là l'application est installée, c'est l'application que je voulais. Donc ce que je vais faire, New Document. Ok, ce que nous allons faire aujourd'hui, là lorsqu'il s'est installé comme ça, il faut que j'aille voir où est-ce que je peux faire certaines choses. Aide, ça va, tout ce qu'il faut. Ok, après on va voir comment fixer cette chose, mais je vais vous expliquer théoriquement. Après, on va passer à la pratique. Donc, si vous voulez savoir, donc restez jusqu'au bout pour comprendre un peu comment ça va se passer. Groupe. Ça, c'est un logiciel qui vous permet de faire des diagrammes. Current element. Puisque comme je vous ai dit que je vais utiliser trois machines, je vais déjà faire sur l'autre parce que l'autre, ce logiciel est déjà configuré. Ok. Ce que je vais faire, je vais passer sur l'autre machine. Cancel. Passez-le s'il vous plaît. Pour ceci, je vais y accéder avec le bureau à distance tout à l'heure. De toute façon, je suis obligé de vous montrer, mais je vais regarder qu'est-ce que ça fait. People, ça c'est des gens. Computer, network, donc c'est bon. Aujourd'hui, je vais utiliser trois machines. Donc, il y aura un ordinateur portable qui est là. Puis, vous aurez un ordinateur fixe, enfin, des ordinateurs fixes en fait. C'est lui qui vous tourne le tutoriel. C'est lui qui vous tourne le tutoriel. Ça va être ici. Sont connectés en réseau. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce logiciel. Mais je vais le faire de façon que vous puissiez comprendre. Donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Tac. Donc,
Ici, c'est la machine où je tourne le tutoriel. Je vais mettre machine tuto. Donc je dis tuto. C'est là où je tourne le tutoriel. Donc ça, c'est l'une des machines que je vais me connecter pour montrer l'exemple. Machine de test. Je dis test, hein. Donc je vais mettre un E parce que c'est en français. Et aussi lui, ça va être machine du test. Machine du test. Ok, vous avez compris, machine de test 1. Donc lui, si je veux, je peux cliquer comme ceci, je mets 0. Puisque là, puisque c'est un tutoriel réseau, donc je suis obligé, parce que 1 ou bien 0, celui-là, je le mets pas, je le compte pas. Ainsi, je peux le... Ouais, je laisse ça comme ça. Sinon, je peux le mettre 7, par exemple. Je fais un truc droit, je fais Edit Label. Ah, Edit Label. Et si je tape comme lorsque c'est sélectionné en bleu, ça va tout effacer. Moi, je pense que tout effacer. Donc, c'est celle-là qui tourne le tutoriel. Donc, c'est celle-là, je peux bien le centrer. Comme ça, vous savez, on ne va pas se perdre. Mais, ces trois machines-là sont reliées à des réseaux spécifiques. Lui, contient une seule carte réseau. Okay. Donc il est relié au réseau puisque j'ai deux routeurs. J'ai deux routeurs sur mon réseau. Donc du coup je vais faire ce type de routeur. J'en ai deux routeurs. Donc il y a le routeur FAI. Donc ça je vais pas le. Il y a le routeur FAI qui est un réseau déjà. Et c'est juste pour vous montrer mon réseau. J'ai un autre routeur. Qui que j'ai mis sur le réseau comme ceci. Que ceux-là sont reliés. Si vous voulez, celui-là, il est connecté à ce réseau-là. Et celui-là, il est connecté à ce réseau-là. Donc, il est failli. Mais vous avez, il y a déjà les tutoriels, vous montrez encore moi. Faire ce tutoriel hein. Le schéma que je viens de vous faire là que je vais mettre le routeur par là comme ça vous aurez ok il est relié par là et lui aussi il est relié par là excuse-moi mais il y a des fausses ça c'est le câblage hein. Considérez que ça. Le trait là que je fais, c'est les câblages. Hein. Là, vous aurez compris. Cette machine est reliée ici. Donc, je vais dire que celle-là, c'est le FAI. Edit Label. FAI. Bon, je vais mettre ça correctement. Point A. Point I. Qui lui, FAI Fusion. Et je vais mettre ça en minuscule ou mi accès internet ok ça c'est le routeur je dirais 1 ce que je veux dire comme ça vous allez comprendre comment bien fixer une adresse routeur 1. Donc lui qui vient de chez l'FAI. Ok. Cette machine-là que vous voyez tester 1, lui il a deux quatre réseaux. Un connecté à ce routeur-là et un connecté directement à l'FAI. Ok. Donc vous aurez compris ce que ça veut dire. Cette machine-là possède deux quatre réseaux. Donc si je veux, je peux venir dire que lui, le réseau donc réseau ça s'écrit comme ceci ok 2 4 réseaux donc x puisqu'il y en a deux ok celle-là possède 2 4 réseaux
Là, j'ai compris le schéma. Après, je vais le mettre bien. Sous là, une seule carte réseau. Et du label. Seule carte réseau, hein. Très simple. Ce tutoriel est un tutoriel de réseau. Et voilà. Là, il va besoin de S. Il va besoin de X, quoi que ce soit. Non, là, c'est X ou bien, donc c'est X. Dans ce cas-là, une seule carte réseau. Lui, par contre, on possède deux. Une carte Wi-Fi et une carte face Ethernet classique. Vous avez déjà les quatre filaires sur les ordinateurs portables. Vous avez le port face Ethernet filaire, hein, que vous connaissez. Et il y a la carte Wi-Fi. Donc, vous avez deux cartes réseau en théorie et aussi en pratique aussi, puisque les ordinateurs en principe comportent oups, il manque un S aussi là-bas, je vais le mettre, hein, ça m'est revenu actuellement. Là, il y a un X, deux cartes réseau, c'est correct. Ok, comme ça vous allez comprendre. Mais tout fonctionnait. Le fonctionnement, comment j'ai pu faire ça fonctionner, vous avez le tutoriel sur la chaîne. Et lui, par contre, une seule carte réseau. Une seule carte réseau. Ok, donc si je mets ça comme ceci, je ne veux pas qu'il y ait de. Ça va être correct. Ça, c'est les deux hauteurs. Et si je prends ça, je le mets en bas. Et lui, je mets ça ici, comme ça vous allez mieux voir et mieux comprendre. Mais par contre, je vais essayer de vous faire ça correctement. Là, vous voyez bien, vous aurez compris. Donc, okay. Bon, le serveur DHCP est configuré sur les deux routeurs qui sont là. C'est-à-dire que peu importe la machine qui vient se connecter sur ce réseau-là qui est failli, il y a quelque chose que je n'ai pas mis, je vais le mentionner rapidement comme ça, mais il faut que je puisse mettre le schéma comme ceci. C'est celle-ci qui va dire que c'est Internet ici. C'est Internet ici. Okay. C'est lui qui vient fournir Internet à ce routeur-là. Donc, les faillites. Vous allez, vous avez pris un abonnement chez Free ou chez autre. Eh bien, Internet, vous avez acheté ça. Donc, il vous dépose ça chez vous. Okay? Vos routeurs, vos box, vous déposez ça chez vous, puisque dans le cadre de utilisateurs standard, c'est des box. Okay? Il vous dépose ça chez vous. Puis après, vous avez vos machines. Et puis, aussi, ça peut être des tablettes. Je vais voir si j'ai des tablettes ici, là. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Et là, voilà, des téléphones, par exemple, qui vont venir se connecter, qui se mettent ici. Et vous avez aussi des imprimantes, okay? Et vous avez aussi des choses comme ça qui vont se connecter directement. Là, vous avez compris le schéma. Vous avez compris le schéma. Cela. Par exemple, l'imprimante, c'est là où est important de fixer une adresse IP, ce qu'on va faire tout à l'heure. Franchement, je fais tout ceci, mais vraiment simple, hein. Mais il faut que vous sachiez ce que vous faites. C'est pour ça que je prends tout le temps de vous. Comme je vous dis, c'est un travail de qualité. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît. Comme ça, tranquille. En principe, l'imprimante, si je veux le mettre sur le réseau que je veux, que j'ai simulé, que j'ai créé, parce que c'est un autre réseau, comme je vous ai dit. Là, j'ai deux routeurs, celui de l'EFAI, je rajoute un autre routeur que j'ai configuré pour que ça puisse bien fonctionner les choses. De toute façon, le tutoriel est sur la chaîne. Vous allez voir comment faire aussi si vous souhaitez faire. Okay? Donc, cette imprimante est reliée ici, sur ce réseau-là. Ou bien directement ici, hein, si vous avez votre box chez vous. Utilisateur standard, mais vous aurez à le connecter directement sur la box de l'FAI. Ok,
Moi, j'ai fait le compliqué, je l'ai mis sur l'outbox. Ça fonctionne, j'ai fait le nécessaire pour que ça puisse bien fonctionner. Ok? Donc, je vais mettre ça correctement aussi. Le schéma, vous allez bien comprendre le schéma à la fin. Donc, c'est pour ça que je vous explique ça et je vous conseille de bien vouloir essayer jusqu'à la fin du tuto, s'il vous plaît. Moi, je dis, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé, hein, parce que ce sont des informations qui vous seront utiles. Puis, voilà. Et si je veux aussi, lui, je peux dire que je le mets sur mon, moi, c'est mon réseau. Je vais le laisser sur le réseau que j'ai simulé. Une chose que je vais juste supprimer ceci. Ça va poser problème tout à l'heure si j'en ai besoin, mais c'est pas grave. Comme ça, vous allez comprendre. Lui, oh. Il est relié ici. Ok. Bon, les routeurs que vous avez chez vous, vous faites la notion switch. Sinon, il aurait fallu, par exemple, placer un switch là. Donc, je ne peux pas faire ceci sans le switch. Donc, je vais placer un switch, je vais enlever ça. Tac. 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 Donc je sélectionne, puis je fais ceci, je vais placer un switch. Et box que vous avez, vous faites la notion routeur chez vous et notion switch. Donc switch, c'est pour ça que je dis que ça pose problème, puisque là par exemple, là j'ai besoin d'un switch, vu que, donc là il va falloir que j'aille dans Tools ou Layout. Ah, punaise, voilà, j'ai supprimé l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes patient, on va le trouver. Ok, donc je fais palette. Là, on est là. Et ça, c'est l'application IED qui vous permet de faire des diagrammes comme je fais là. Donc le switch, c'est ceci. Alors en principe, si vous voulez savoir qu'il y a des routeurs qui vous font uniquement routeur, enfin, ils ont le port face Ethernet, ils ont au moins deux. Au moins deux. Ok, donc c'est la base du binaire. Voilà. Ces deux-là, c'est un pour. Le one, donc si je vais dire par contre one, donc one, ce que j'appelle white area drop. Ok, donc si vous voulez, vous faites un tour sur Google, vous tapez one, qu'est-ce que ça va vous dire? Donc one, tapez one, vous avez les eaux étendues, hein, c'est tout simplement fait voir un truc sur parce qu'il y a la version anglaise, les eaux étendues, ça c'est la version française. Donc, vous savez que les choses comme ça, c'est la version anglaise. Wide Area Network. Okay, donc si vous appuyez sur les eaux étendues, il y a la version, il y a LAN aussi. Je cesse de vous apprendre. Donc du coup, One, c'est celui-là, donc c'est le monde entier. Et LAN, c'est ce qui sort par ici. Okay. Tout ce qui est là, c'est de LAN. Ok. Et okay, donc lui, il y a le tutoriel, vous expliquant tout ceci. Donc là, c'est un switch. Ça peut être 8 ports, 12 ports, 24 ports, 48 ports. Ok. Dépend du montant. Donc ça, ce sont les ports face Ethernet. Donc vous allez venir relier vos ordinateurs, imprimantes, tout ceci. Donc je vais relier ceci déjà. Donc je vais appuyer. Là j'ai un routeur qui a uniquement deux ports. J'ai pas assez de ports pour connecter tous ces équipements parce qu'il n'y a que deux. Donc je suis obligé de rajouter un switch qu'on appelle commutateur. Ok. Ancien nom, ce qui c'est des hubs qu'on appelait concentrateurs. Ok. Pendant. Voilà. Donc là, j'ai relié le switch que je viens de rajouter là. Donc je vais dire switch 1, petit label, commutateur 1 ou 2 par exemple, parce que ça c'est le réseau 2. Okay. Là j'ai. De toute façon, c'est prévu que je vous fais tout ceci en visio. Donc je vais commander des équipements à l'avenir. Je vais venir faire ça en vidéo. Vous allez voir. Qu'est-ce que c'est un switch? Qu'est-ce que c'est un routeur?
De Eve, j'en parle plus. Pourquoi? Parce que c'est filmé dans. Ça, c'est pas permis, mais ça existe toujours. Mais sauf que les hubs, c'est pas assez sécurisé. Donc, les hubs, ils vous laissent passer toutes les informations à l'importe. Voilà, ils ne font pas le temps de contrôler. C'est pour ça que les informaticiens, les vieux, les anciens avant moi, ont décidé de créer cet équipement qui s'appelle Switch. Que lui, prend le temps d'analyser les données comme ça. Par exemple, si vous êtes là, vous faites un ping, là, qui l'envoie pas à toutes les machines, en fait. C'est ça le défaut de Hub. C'est pour ça que là, il n'y a que le switch. Donc, commutateur 2. Et là, je place ça ici. Puis, je viens brancher tout ce qui fait partie de ce réseau-là. Vont venir se brancher ici. Donc, on a dit que lui contient, ça c'est là où je tourne le tutoriel, contient une seule carte réseau que je vais vous montrer tout à l'heure. Lui aussi, c'est relié là, que ce soit filaire ou Wi-Fi, sans aller voir, il est relié en Wi-Fi. Voilà, il est relié en Wi-Fi, mais là je vais relier en filaire sur le schéma. Ok, le Wi-Fi, ça peut être autre chose, la Wi-Fi, comme vous dites. Peu importe. Le ou la Wi-Fi, ça passe. Ok, il est relié là sur le switch. Voilà, bon. Ça c'est vraiment le schéma de la chose. Comment je peux mettre ça correctement? Ouais, comme ça va laisser un peu de place. Si je veux pas trop, si je veux, je peux le mettre ici, mais ça va jouer. Donc je laisse comme ceci. Ok, donc ça c'est un réseau où je peux étendre. Là, je sais que vous vous êtes dit que. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il va fixer les adresses IP, il nous amène ici, mais il faut savoir ce que vous faites. Bon, et je vais mettre ça bien comme il faut aussi. Bien ça comme ceci, bien pas prendre d'équilibre. Là, c'est correct. Puis lui aussi, je vais le mettre bien droit. Les autres, là, je peux pas le mettre droit. Comme il a des cartes réseau celui-là, là aussi, je peux dire que je peux venir rajouter un switch ici. Ok, un switch ici. Donc, pareil, ce que les explications que je vous ai données tout à l'heure, c'est pareil pour celui-là. Donc, je prends mon. Je le relie. Sinon, la sens contraire, hein, si vous voulez. Donc, ce que je vais faire, il descend par là. Très simple. Il descend par là. Ok? Donc là, c'est un autre réseau différent. Qu'est-ce que vous voulez? Test en routeur 1, on peut dire ici réseau. Ce que je vais faire, je vais le mettre en minuscule. Réseau. Non, mais la première lettre, ça doit être en majuscule, donc c'est bon. Réseau 1. Ok, donc je vais pas mettre mes adresses IP, vous verrez tout à l'heure si vous avez ainsi. Sinon je pourrais mettre l'adresse IP de ce réseau et l'adresse IP de ce réseau. Ok, puisque on peut dire qu'on va on peut générer n'importe quel réseau qu'on veut à partir de notre routeur. Ok, que ce soit de la classe A, B ou C. Des autres là, c'est expérience, mais les trois classes qu'on utilise actuellement, c'est A, B, C. Ok, les autres sont une expérience pour l'avenir. Et vous avez commutateur, donc ça c'est bon. Et là, je vais lui mettre quelque chose en disant que c'est de. Par contre, je peux le mettre en majuscule. De puis après je vais mettre réseau. Ouais, je vais mettre 2, pourquoi? Parce que, et je vais mettre un X aussi, c'est correct. Pourquoi je mets X? Parce que c'est le pluriel. Non,
Je peux effacer celle-là puisque c'est bon. Ok. Là, vous avez le résoudé qui est créé. Ok. Et si je veux, je peux mettre un label ici pour dire un pro. Pro. Deux. Très simple. Donc, je laisse ça comme ceci. Je peux mettre aussi un S pour dire que c'est une deuxième switch qui est là. Ici, comme c'est le routeur 1, donc forcément, on va être le commutateur 1. Donc là, commutateur 1. Ok, et je le place ici, comme ça vous aurez compris ce que c'est ceci. Et là, par là. Ok. Et puis, comme cette machine possède deux cartes réseau, après on va fixer l'adresse IP. Hein. Ce n'est pas compliqué l'histoire. Il est connecté à ce réseau. De toute façon, je vais me connecter en bureau à distance tout à l'heure, vous allez voir. À celui-ci. Il n'y a que lui qui fait ceci, puisqu'il a deux cartes réseau. Puisque c'est une histoire de réseau, il faut des cartes réseau. Lui, il n'a pas la Wi-Fi, puisque c'est un portable. On peut bien, bon, c'est un ordinateur fixe. On peut bien lui rajouter une carte réseau, une clé USB Wi-Fi. Hein. Lui aussi, il aura deux, trois cartes réseau. Puisque là, ce sont deux cartes réseau que j'ai mis là-dedans. J'ai inséré là-dedans. Ce qui veut dire que j'ai ouvert, j'ai démonté la machine, j'ai inséré les cartes réseau en PCI. Mais par exemple, l'ordinateur portable qui est là, il n'y a pas besoin d'ouvrir pour qu'il possède deux cartes réseau, puisqu'ils sont déjà équipés de deux cartes réseau. Une carte réseau Wi-Fi et une carte réseau filaire. Et là, je l'ai dit que, bon, voilà, ben il est en Wi-Fi, mais. Voilà, il est en Wi-Fi. Lui, une seule carte réseau, c'est normal. Lui, une seule carte réseau, c'est normal. Bon, maintenant, je ne sais pas s'ils ont fait d'autres équipements. Avec deux cartes réseau, par exemple les scanners, les imprimantes, tout ceci, les automates programmables, s'ils sont équipés de deux cartes réseau, c'est intéressant. Mais pour l'instant, classiquement, c'est une seule carte réseau. Donc le port va s'éteindre. Donc vous avez le câble RJ45 qui vient se connecter sur, par exemple, prenons le cas d'un scanner. Il possède une carte réseau interne, donc filaire. Donc il est relié sur le switch, lui. Le switch qui est relié au port du routeur qui donne accès à Internet à toutes les machines qui sont connectées sur ce réseau. Bon, voici le schéma. Okay, donc, ce que nous allons faire, l'exemple, on va dire que je ne vais pas vous montrer ça sur les imprimantes, je vais vous montrer ça sur les ordinateurs. Comment fixer une adresse IP V4 sur un ordinateur. Donc, c'est tout pour la théorie. On passe à la pratique. 45 minutes quand même. Être vraiment patiente. Voilà. Donc du coup, pour fixer une adresse IP sur une machine, sur les imprimantes, c'est autre chose. Sur un ordinateur, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Sur une imprimante, c'est autre chose. Donc, pour fixer une adresse IP sur un ordinateur, il y a plusieurs façons de procéder. Comme on a dit qu'on va passer par les clics, on peut déjà aller sur le réseau. Ok, vous avez ce signal-là qui dit que c'est le réseau. Accès à Internet. Lorsque je clique dessus, vous avez accès à Internet. Vous avez le fil et l'écran. Je vous dis que cet ordinateur est relié via une connexion filaire, pas la Wi-Fi. Donc, je vais déjà lancer la connexion de bureau à distance. Là, on est parti pour la pratique. Si vous êtes resté jusqu'à 45 minutes, ça veut dire que vous avez suivi. Donc là, je vais me connecter directement sur l'autre ordinateur. Je veux dire que celui-là qui possède deux cartes réseau, bien, vous n'aurez pas le signal Wi-Fi. Lui, il est connecté en filaire. Ok? Le bureau à distance, vous avez déjà un tutoriel vous montrant comment faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les mecs qui montent sur mon travail, là, sur YouTube, quoi que ce soit, je sais, vous vous inquiétez de ce qui se passe de chez vous. Ne vous inquiétez pas, tranquille, la vie, c'est toujours pas. Il y a ceux qui connaissent quoi? Les bases de la vie. Donc, c'est le respect, puis plein d'autres choses. Le respect de la vie. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi, je ne vais pas faire des choses mal avec mes connaissances. Donc, je ne souhaite pas. Je prie tous les jours. Je prie grand maître là. Tous les jours que
ne fasse pas de mal avec les connaissances. Ok? Donc là, je fais ceci, la connexion à Google Distance. Vous savez ce que c'est, j'ai déjà un tutoriel là-dessus, c'est la machine distance. Ok? Là, pour la partie dont je fais Charlène. Ok, je ne vais pas vous dire ça, c'est comme ça, c'est la connexion. Donc à partir du moment, là j'ai une autre machine, ok, qui a adresse IP 192.168.0.31. Donc ça c'est le réseau. Ah, donc là c'est bon, je fais de la musique un peu, vous connaissez ce logiciel. Pour les musiciens, ils comprendront ce que c'est ce logiciel. Donc là, c'est pas de logiciel qu'on parle. Là, c'est l'autre machine. Ok. Donc si on revient, okay, ça c'est la machine où je vous fais le schéma là. Désolé. C'est la machine de base. Là, je me suis connecté là-dessus, en bureau addition sur une autre machine. Bon, cette machine n'a pas de carte réseau Wi-Fi. Il est connecté en filaire. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que vous ne voyez pas le signal Wi-Fi. Ok, donc là, maintenant, je vais me connecter sur la machine qui a le signal Wi-Fi. Comme ça, vous allez bien comprendre. Donc, pour ça, il faut que je lève son adresse IP parce que je ne l'ai pas en tête. Puisque ça, c'est l'ordinateur portable. Hein. C'est l'ordinateur portable. Hein. Ok. Donc là, vous ne voyez pas, c'est normal. Parce que je dois relever son adresse IP. Donc en faisant un IP config. Ok. Je sais. Ça, c'est la carte réseau. 7788-1055-4. Ok. Donc là, je vais lancer une autre connexion pour la distance. Pour ne pas vous déranger, après je vais vous mettre bien correctement. Vous allez mieux comprendre ce tutoriel. Donc je lance une section de la distance qui me fait ceci. Donc là, adresse IP 0, le réseau 0, c'est l'autre machine fixe qui comporte deux cartes réseau. Donc il n'a pas de réseau Wi-Fi. Maintenant, la machine que comporte une carte Wi-Fi, une carte filaire. Son adresse IP, c'est celui-là. C'est moi qui l'ai. Voilà, c'est celui-là. Je n'ai pas besoin de taper trop loin. Ok. Vous voyez que c'est deux réseaux différents. Hein. Ça marche. Pourquoi? Parce que j'ai fait le nécessaire. Le routage est fait. Vous avez le tuto. Ok. On attend un petit peu. Est-ce qu'il est connecté? Là, j'ai une autre machine pour aller vous réaliser ce tuto. Ça, je peux mettre de côté puisque ça prend un peu de temps. C'est normal parce qu'elle est connectée. Voilà. Ça, c'est une machine que je vais venir mettre par là. Ça, c'est une machine. Ok. Je vous demande de vous concentrer sur. Ça, c'est une machine. C'est une machine que. Ok. Ça, c'est. Pour aller fixer une adresse IP, comme ça vous allez bien comprendre. Ok, ça c'est une machine. Maintenant je vais trouver l'autre machine, qui est celle-là, qui n'a pas encore. Voilà. Qui est là, que je vais venir mettre à côté, que je vais forcément réduire. Pour que vous compreniez mieux. Okay, là, je peux vous assurer que vous avez les trois machines. Vous avez les trois machines. Vous avez les trois machines. Ok. Pour vous montrer comment fixer un adresse IP que vous allez comprendre à la fin. Donc je peux faire un exit ici parce que là c'est l'autre machine que j'ai pris la main à distance. C'est bon. Là, j'ai trois machines. Donc, si je reviens sur le schéma qui est là, ça, c'est la machine. Ok, cette machine-là, c'est celui-là. C'est celui-là. Ok, celui-là. Vous voyez très bien. Puis, si je reviens sur le schéma pour vous, voilà. Ça, c'est l'ordinateur portable qui comporte une carte réseau Wi-Fi et une carte réseau filaire. Ok. Donc, qui lui est référencé ici. Celle-là, qui a adresse IP. Vous voyez que c'est deux réseaux différents. C'est 192.168.0.31 FAI. L'autre routeur que j'ai créé un autre réseau, c'est celui-là, 7788-1055-4.
255.4, l'autre machine. Maintenant, si on revient sur le schéma, la machine qui comporte une seule carte réseau, c'est celui-là. Donc, celui que je tourne le tutoriel. Donc, c'est celui-là que vous voyez là. Ok, celui-là. Là, jusque-là, ça va. Je vais juste mettre ça correctement parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté qui est moins que l'autre. Là, vous avez les trois machines que je vous parlais au début. Maintenant, si je vais sur cette machine, ok, je vais sur l'ordinateur portable, bon, qui est ceci. Je clique là-dessus, je l'ouvre. Ok, là on est sur l'ordinateur portable. Vous voyez une mise à jour à faire. Lorsque vous voyez ce signal-là, ça veut dire que c'est du Wi-Fi. Cette machine est connectée en Wi-Fi. Donc vous le savez très bien. Bon, pour ceux qui ne savent pas, voilà. Lorsque vous avez ce signal-là, ça veut dire que c'est une connexion Wi-Fi, pas filaire. Pour vous montrer l'autre côté, si je vais sur cette machine-là, ok, lui par contre, voilà. Voilà, il y a des conséquences spécifiques. Vous voyez le signal qui est là, accès Internet. Mais vous avez vu l'écran avec, ça peut être qu'un câble, hein, le petit bout là et puis le bout. Ça signifie que cette machine est connectée en filaire, pas en Wi-Fi. Donc là, c'est bon. Je mets ça de côté, ça revient pareil. Donc on va agir sur celle-là. Sur celle-là. Ok, sur l'ordinateur portable. Donc pour ceci, que je suis en connexion à distance, je fais un Windows plus R qui va m'amener ici. Donc là, soit je tape ici, pour voir les quatre réseaux que contient une machine, il y a plusieurs façons. Puisqu'on est sur cette machine-là, on va y rester. Donc, vous, la manière graphique, puisqu'on a dit qu'on allait faire de la manière graphique, c'est, je clique là-dessus, qui m'envoie ici. OK? Ici, là, vous voyez que Charlentec 97. Ça va jusque-là. Connecté, mais en Wi-Fi. Vous avez ce signal-là. Maintenant, vous avez paramètres du réseau et Internet. Donc je clique là-dessus pour aller voir les quatre réseaux. Je vous montre la façon d'aller plus vite plus tard, tout à l'heure. Donc, une fois que vous êtes là, là aussi vous pouvez y aller plusieurs manières, mais je vais vous montrer la façon la plus simplifiée. Ok, donc je clique là-dessus. Vous avez le réseau qui s'est connecté. Propriété, autre chose. Voilà. Donc, ça c'est d'autres paramètres, chose que je vais pas vous montrer parce que mine de rien, ça peut se compliquer. Je reviens pour que vous puissiez me tenir la technique que je vais vous partager. Donc, si vous connaissez de techniques, tant mieux, puisqu'il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs façons de faire les choses. Donc, ça, voilà. La technique que je vous montre aujourd'hui, c'est celui-là. Je clique pour aller voir le nombre de quatre réseaux. Je clique là-dessus, je vais dans paramètres du cas du réseau et Internet. Je clique là-dessus. Une fois là-dessus, vous pouvez lire les autres choses, hein, mais je descends un peu, je vais sur l'ascenseur à côté. Vous initialisez ça, c'est technique, centre réseau et partage. Vous cliquez là-dessus. OK. Oui. On attend un petit peu, parce que ça va venir, parce que j'ai déjà cliqué là-dessus. Normalement, qui va m'afficher ceci, qu'il clignote. OK. Ok, là j'ai cliqué trois fois, c'est pour ça que j'ai trois fils qui s'affichent. Donc ici, vous avez pas mal d'options. Partage, ça c'est pour voir les autres ordinateurs sur le réseau. Donc résoudre les problèmes, ça c'est autre chose. Plus d'informations, vous pouvez le voir si ça vous dit. Mais comme moi, ça met un peu de temps, ceci. Mais si vous êtes concentré, vous allez arriver à vous faire. Ok, donc je retourne. Afficher les propriétés de matériel de connexion. Ça, c'est autre chose. Ah. Ça, tout ça, ce sont des informations aussi. Là, on a l'adresse IP, que ça, adresse IPv4. Voici. Bon, là, c'est la carte réseau physique. Donc, le protocole, là, c'est un APIPA, ça a une adresse APIPA, 169 254 37.169. Quelque chose. C'est l'âge. 16, c'est
un récipient de la classe B. Donc on ne veut pas discuter, mais le serveur DNS, vous voyez. Donc je sais que vous êtes un peu perdu, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous aiguiller, parce qu'il y a tellement d'informations. C'est ça lorsque vous êtes passionné d'un métier. Tellement de techniques, il y a plusieurs façons de faire les choses. Voilà, donc ça c'est une adresse IPv6. IPv6 que je vous parlais de là, c'est ça toque à la porte, ça toque à la porte, mais c'est pas pour valider complètement. Puisque voilà. Parce que ça, IPv6, c'est pour englobage de tous les utilisateurs des internet ou de l'ordinateur ici bas. Or que malgré toute l'avance que vous avez, mais tout le monde n'est pas encore connecté ici-bas. Parce que la règle, c'est la règle. Donc, je me base sur les gens qui ne sont pas encore connectés. C'est pour ça que j'ai fait ce tutoriel. Donc, si vous savez que vous êtes professionnel, vous savez ce que je dis. Ça ne sert à rien de rester sur ce tutoriel. Donc, si vous restez sur ce tutoriel, c'est que vous avez des choses que vous n'avez pas encore acquis. Donc, vous êtes la bienvenue. Soyez le plus simple possible. C'est ce qu'on fait là, c'est simple. Ça, c'est une façon d'acquérir des informations sur la configuration en réseau de votre chose. Donc, moi, je vais aller sur propriété, ok, qui vont m'envoyer ici. Tout ça, ce sont des autres configurations. Donc, là, on est minder, on se perd facilement. Donc, je vais faire non. Ici, on retourne ici, ok. Donc, c'est là que ça se voilà. Donc, chérie. Le contenu, c'est pas ça, affiche, ça c'est pour la wifi, ça c'est autre chose, Ethernet, et vous avez les choses, centre réseau et partage. Ok, on va voir la carte réseau, voilà, donc qui nous envoie ici, plus d'informations, configuration nouvelle, ça c'est autre chose aussi. Ah, non, moi là, j'ai mes mélanges de pinceaux, mais si vous êtes concentré, vous allez comprendre. Vous suivez, c'est tout. Moi, je sais que je vais pouvoir vous amener à destination. Donc, si vous dites que c'est bon, vous avez vu ce que j'ai fait là. Donc, ça nous affiche ici. Là, c'est la carte Wi-Fi qui est connectée, réseau public. Ok, là, je clique là-dessus. Et puis, vous avez ceci. Donc, ce qui vous fait détail. Attention, le fait que je fais tout ceci, ne dites pas que je vais, je sais pas ce que je vous amène. C'est pour vous habituer que il y a plusieurs façons de faire les choses ici-bas. Il faut être concentré, être patient, patiente, et puis vous allez arriver à bout de vos choix. Donc du coup, là, j'ai déjà pas mal de choses. Je vais vous montrer d'une façon plus simple tout à l'heure. Vous allez voir. Ça va être beaucoup plus simple. Ça, c'est la façon cliquage. Ok. Donc là, vous avez connectivité IPv4, IPv6, connectivité IPv6, des points. Là, pas de réseau, puisqu'il n'y a pas, voilà. IPv4, vous avez Internet jusque devant. Je veux dire que c'est ce protocole-là, cette version 4-là qui nous donne accès à Internet, puisque mon ordinateur n'est pas configuré à IPv6. Donc, je peux faire détail. Ok. Donc, ça, c'est l'ordinateur portable. Je vais mettre pause puisque je sens que vous ne suivez plus. Ok, ça, c'est l'ordinateur portable. Ok, et si je fais ceci, il va se placer ici. Donc là, on était sur l'ordinateur portable qui comporte une carte réseau Wi-Fi et une carte réseau filet. Mais cet ordinateur est relié en Wi-Fi. Boum. C'est correct. S'il n'y a rien de méchant, c'est juste que bon, chaque métier, il y a tellement d'informations, on ne peut pas tout savoir. Mais sauf que moi, avec ce que je sais, je pourrais vous aiguiller. Ok, ça c'est un tutoriel de réseau. Bon, ceci veut dire que si fixe DNS propre, il n'y a rien, vous inquiétez pas. Description, ça c'est la marque de la carte réseau. Realtek, ok. Ça, c'est la marque de la carte réseau. Ok. Adresse physique. Donc, ça, c'est l'adresse MAC. Adresse MAC, ça, c'est ce qui vous permet de filtrer les équipements sur votre réseau. Donc, là,
J'ai fait un tutoriel là-dessus, c'était pour la Wi-Fi. Ok, c'était pour vous montrer comment filtrer une adresse et interdire par exemple, les individus qui ne sont pas permis à se connecter sur votre réseau Wi-Fi, ben, qui ne se connectent plus. Donc, on passe via cette adresse-là. Ok, l'adresse MAC. L'adresse physique, ça veut dire que l'adresse MAC. Eh bien, ils vont se baser sur l'adresse MAC ou l'adresse physique pour déterminer que cette machine appartient à telle personne, puisque lorsque vous allez en magasin, vous achetez, vous avez une pièce d'identité, il vous dit, ben, voici une machine. Cette machine a l'adresse MAC, ben, l'adresse MAC est liée à votre identité. Bon, là, on va pas aller trop loin, c'est pas le but. C'était juste pour fixer une adresse IP. Bon, DHCP actif, oui. Ça veut dire que cette machine reçoit une adresse IP via DHCP dynamiquement. Donc, si on revient sur le tutoriel, donc je vais juste faire ceci. Et on était ici. Donc, ceci, si vous avez suivi de le départ, ceci est activé. Donc, cette machine a recevoir dynamiquement une adresse IP. Donc, il n'est pas fixé. Donc, le but du tutoriel, on va montrer comment fixer une adresse IP. Ah, chose que je vais mentionner. La fixation. Oups. Les problèmes, c'est qu'en français, je suis pas trop fort à 100%. Mais c'est comme ça des fois. Fixation. D. Je te connais sur une adresse. Ok. Là, je vais voir si je suis bon. Parce que comme je vous dis, je suis d'une nationalité étrangère. Donc, du coup, haïtienne. Donc, du coup, bon, ben, j'ai les traces des Français. Hein, parce qu'ils étaient chez nous. On est correct là-dessus. Fixation d'une adresse IP. V4. Voilà. Voilà. Ça, c'est le sujet du tutoriel. On y revient où est-ce qu'on y était. Donc, j'enlève ceci. Et je reviens sur cela. OK, donc, DHCP actif, oui, c'est-à-dire que lorsqu'il s'est activé, la machine reçoit une adresse IP automatiquement. Oui, l'adresse IPv4 que le serveur DHCP a distribué à cette machine est celui-là, 4. Et masque de sous-réseau D55 D55.0.0 qui vous dit que c'est un réseau de la classe B. Parce que la classe A, c'est 3-0 que vous aurez. À la place de D55, vous aurez un troisième 0 si c'est de la classe A. Maintenant, si c'est de la classe C, vous aurez D155 à la place de ce 0-là, mais celle-là, ça va servir la troisième, bon, le deuxième 0 là va signifier la partie haute, la partie machine. Là, il y a déjà un tutoriel sur la chaîne. Abonnez-vous. Bail obtenu jeudi 12 janvier 2023. Alors, je pense que ça peut être aujourd'hui. Si on regarde la date, jeudi 12 janvier, c'est aujourd'hui ça l'a obtenu. Maintenant, on va le fixer à des manières que cette adresse soit exacte. Ok. Donc, vous avez les informations du jeu. Là, c'est par sans fil. Donc, là, vous faites propriété. Propriété que vous envoyez ici pour fixer une adresse IP. Voilà comment ça va se passer. Vous ne vous occupez pas de votre adresse IP V6, puisqu'on n'y est pas encore. Mais plutôt, protocole Ethernet version 4. OK, donc vous décrochez ceci. Ça, c'est sûr et certain, vous le décrochez. Ok, maintenant vous allez ici, vous faites un double clic. Là, vous ne voyez pas d'informations ici. Pourquoi? Parce que c'est en automatique. Ok, donc maintenant pour fixer une adresse IP, vous cochez, voilà, vous voyez que c'est coché en bleu là. Ça veut dire obtenir une adresse IP automatiquement. Bon, là, je vais le dire fixer. Je vais choisir une adresse IP fixe. Comme ça, il n'y a pas d'autres machines qui auront cette adresse IP. Donc, je fais ceci. Là, je vais mettre l'adresse IP en faisant attention du réseau que je suis. Donc, si je fais ceci,
fais un Windows plus R qui envoie ici, je fais ici qui envoie là, je fais IP config comme ceci et hop, et là j'ai mon réseau. Donc il faut que je fasse attention, on va passer tout à l'heure à l'ordinateur fixe. Là j'ai mon réseau, là c'est l'adresse IP 4. Ok, on a dit que c'est du découpage, parce que vous voyez, 7-7, c'est la classe A. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Donc je vais fixer une adresse IP ici. Donc le réseau c'est 77.88.255. Par contre là c'était 4. Soit je laisse l'adresse 4, je le fixe. Ça va être fixé. Vous avez vu la case, elle est décochée automatiquement. Donc là, c'est pas possible que le serveur DHCP distribue l'adresse IP à cette machine, puisque je vous dis que je vais le fixer. Donc, cette adresse aura tout le temps la même adresse sur ce réseau. Ok, donc là, je vais mettre 7 ou 9. Je vais mettre 9. Je vais mettre 7 de l'autre côté. Donc, c'est bon. Et là, comme je vous ai dit que c'est de la classe A, cette adresse, donc, si vous cliquez là, ça vous met automatiquement ce masque de sous-réseau. On est d'accord. Ok. Mais comme je sais que je ne vais pas laisser ça comme ça, je vais regarder le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, pour faire un petit tour, on y retourne ici. C'est ça qui vous dit que si vous êtes dans une adresse IP de la classe A ou B ou C, IP config que vous connaissez. Tac. Si vous êtes abonné à la chaîne, je pense que vous connaissez, puisque cette commande elle est beaucoup sur la chaîne. Le masque de sous-réseau. Donc, comme je vous l'ai dit au début, une adresse IPv4 comporte 32 bits pour les coder. Donc, lorsque vous avez 255.255.0.0, c'est une adresse IP de la classe B. Ok. On va voir la classe C tout à l'heure. La classe A, je n'ai pas de réseau de la classe A puisque je n'ai pas besoin. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait tout le monde. Voilà, tel que la France, Paris, tout ça. Vous avez une adresse. Je vous prie de vous abonner. Bon. Je sais que c'est une adresse IP de la classe B. Ok. C'est un réseau de la classe B. Du coup, je vais par là. Ici, je mets 9. Donc, je ne touche pas ici. Touche pas ici. Aussi, je peux bien le toucher hein, si je me complique la tête, parce que c'est de la classe B. Donc, on peut jouer sur les deux octets. Ok. En partant vers la gauche, vers la droite, lorsque c'est de la classe B, vous ne touchez pas ceci. Ces deux octets-là, vous ne touchez pas. 77, 88, vous ne touchez pas. Lorsque c'est de la classe B, vous pouvez toucher ici. Mais là, vous avez que c'est un octet plein. Lorsque c'est un octet plein, ça veut dire qu'on ne peut plus toucher. 255, c'est ça. Donc, on était là-dessus. On a dit que bon, je balance pas mal de choses, donc je vais fixer cette adresse IP. Là, il faut savoir que masque de sous-réseau, c'est une adresse IP de la classe A, donc ça ne doit pas être 0 ici, ça va être 255. Là, je sais que ça va bien fonctionner parce qu'il faut faire attention, hein. Parce que si vous ne donnez pas la bonne le bon masque sur réseau, vous n'allez pas pouvoir sortir sur internet. Passerelle par défaut. Ça va être l'adresse du routeur. Ok. C'est-à-dire que lorsque cette machine à qui je fixe cette adresse IP souhaite sortir de son réseau local pour aller sur internet, il faut qu'il aille solliciter sa adresse IP, et qui est l'adresse du routeur. Ok, si on revient sur le schéma là, faut que je fasse un tour ici, qui est ceci. Parce que vous avez vu, ce réseau là, c'est le 255. Là, c'est le 77, ce que je suis en train de configurer. Donc, là, je suis sur cette machine là. Que je suis en train de fixer une adresse IP. Que moi, je pourrais désactiver quand je voudrais. Voilà. Lui, il est connecté au réseau 77, que je suis en train de montrer tout à l'heure. C'est une adresse IP de la classe. Ah! C'est-à-dire que lorsque lui voudra sortir de... Voilà, parce que quelqu'un se mettre ici. Donc, je vais mettre un petit schéma. Pour le schéma, on va dans People. Quelqu'un de la sorte, hein,
qui va. Non, désolé monsieur. Comment je fais ça? C'est bien celui-là. Quelqu'un qui se connecte sur cette machine veut aller chercher quelque chose ici, qui est Google, que vous connaissez, il y a plein d'autres, hein. Il y a Quant ou plein d'autres. Bon, moteur de recherche, Quant c'est un navigateur, c'est autre chose, désolé. Qui veut aller sur Internet, eh bien, il faut qu'il sollicite sur la RSIP. Que je vais relever par là, que je vais relever par là. Que je peux faire un IP config. Après, je vais vous montrer comment aller tout simplement. Je fais un IP config. 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 Soit je balance comme ça, ou sinon je fais slash all. Mais ça va afficher toute information. Pour ce que là, tape ici. Là, j'ai mon adresse. Parce qu'elle part du faux. Ok. Parce qu'elle part du faux. Qui est celle-là? 77.88.255.254. L'adresse du routeur. Ça. Lorsque vous fixez une adresse IP, si vous voulez que votre adresse IP sort pour qu'elle aille sur Internet, comme je vous montre sur ce schéma là, comme je vous ai montré sur ce schéma là, qui est ceci, eh bien il faut que vous renseignez l'adresse du routeur. Il y a déjà des tutoriels sur la chaîne vous expliquant comment ça fonctionne. Donc, je retourne ici, je vais par là, je viens, soit, là ça va pas le faire, on a dit que c'était 77, le point, vous respectez le point. Vous mettez 88, ok, mais attention, c'est l'adresse de la machine qui fournit, ok, 255, et puis c'est 254, donc qui est l'adresse du routeur, ça c'est l'adresse IP de la machine, l'ordinateur, 9, ça c'est le masque de sous-réseau, faites attention, lorsque votre réseau est découpé, parce que le mien est découpé, c'est parce que j'ai fait attention, j'ai enlevé, parce que lorsque vous avez 77, c'est compris dans la classe, donc là j'ai reçu plus une classe, ah. Donc lorsque vous faites automatiquement, il va vous mettre une adresse et un masque de sous-réseau de la classe A. Ah. Donc en principe, qui est 0 qui est par là. Donc qui ne va pas fonctionner correctement. Faites attention de la classe d'adresse IP que vous utilisez. Mais je sais que les utilisateurs standards, vous avez une adresse IP de la classe C. Donc il vous donne 254 adresses IP utilisables. Donc je ne vois mal quelqu'un. Utiliser 254 machines dans sa maison. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça que vous faites attention à ce qu'ils vous donnent lorsque vous allez chez votre famille, chez Free, chez Free, ou SFR, ou Orange, ou autre chose. Donc, on va commencer par Orange parce que c'est ça. Je n'ai pas voulu dire autre chose parce que je suis chez Free. Mais sinon, il y a plein d'autres. Ils vous donnent un respect de la classe C en vous disant que bon, vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas besoin de 254 machines chez vous. Et dans ce cas-là, si vous avez une adresse IP de la classe C, vous aurez un 205 ici. Ok, ça, ça veut dire que c'est une adresse. Ça veut dire que ça va bien fonctionner. Mais comme moi, j'ai fait le. Voilà, pour expérimenter. J'ai fait une adresse IP de la classe B, donc c'est un 0 qui est là. C'est quoi? Serveur DNS. Soit vous. Parce que le routeur peut être serveur DNS, donc je vais le mettre. Hein. Ou sinon, je peux le laisser comme ça. Vous voyez, vous pouvez laisser en automatique, mais je vais mettre l'adresse IP de mon routeur. Ça va le faire. Tout ceci, c'est un tutoriel expliquant comment ça se passe dans l'informatique. Donc, lui qui va être D54, parce que le routeur peut être serveur DNS, ça c'est autre chose. DNS, normalement, c'est Domain Name Services. Bon, ça, je ferai un tutoriel là-dessus, c'est un gros morceau. Ça, c'est le primaire. Maintenant, je peux bien mettre l'adresse IP. Hein? 192.168.0.x. Adresse routeur de routeur. Mais, vous pouvez mettre aussi 88. Qui est le serveur par défaut de Google, ce que vous avez par défaut si vous n'avez pas de connaissance pour configurer ce que je fais là. Ok, ça peut rester comme ça. Et aussi, pour enlever ceci, vous mettez un 86, tout ça, c'est genre de serveur DNS. Ça, c'est des informations que je vais passer. Ok, et puis pendant ce temps, vous avez aussi le Quad9. Ok, Quad9. Comme ceci. Et puis, vous avez plein d'autres choses aussi. Vous avez le A. Ah, ça, c'est vrai.
DNS, qui peut être en auxiliaire ou en primaire. Là, je mets ceci en primaire, sauf que je vais laisser sur 1.1.1.4.1. Voilà, c'est comme ça pour fixer une adresse IP V4. Puis, et là, désormais, vous aurez vu que là, j'ai fixé l'adresse 9. Là, vous faites OK. Tranquille, vous attendez un tout petit peu. Là, ça bug. Pourquoi? Parce que là, je me suis connecté en connexion adresse. Vu que j'ai changé les connexions, donc ça, c'est normal que ça fait ça. OK. Là, vous voyez ici, la connexion a été perdue. Tentative de reconnexion. Lorsqu'il va reprendre les paramètres en cours, vous allez l'autre ordinateur. Donc, si je passe à cet ordinateur-là, qui lui contient deux adresses IP, qui est celui-là. Qui est celui-là. On a fini. Tout à l'heure, je vais vous montrer tout à l'heure, à la fin, pour faire un test. Pour fixer une adresse IP sur celui-là, si, parce que celui-là, il a deux adresses IP. OK, sur le schéma, deux adresses IP. OK. Il y a une adresse IP reliée directement à l'FM et l'autre adresse directement à ce routeur-là. OK. Qui est le réseau que j'ai suivi? Voilà. Qui veut dire que on part en bureau à distance, on va sur cet ordinateur-là, qui est un autre ordinateur. Vous voyez que là, c'est plus du 77, du 8, du 5, 5. Voilà, mais c'est du 192, 168.0.31. C'est la réussite de cette machine qui, lui, est sur un réseau de la classe C. Donc, là, on va revenir à la classe C. OK? Donc, pour ceci, faites pareil. Vous allez sur la connexion ici. On va pas faire trop de complications. Parce que les mecs qui compliquent les choses, plus pour. Vous cliquez là-dessus. Vous allez être tombé ici. Mais sauf que ça, c'est une technique. Okay. Si je veux pas passer par là, je clique là-dessus. OK. Cliquez là-dessus. Vous pouvez prendre des informations, recherche mon. Bon, on va pas y aller là-dessus. Vous allez directement dans propriété. Ok? Vous avez d'autres choses aussi. En-dessus, c'est autre chose. On va revenir là-dessus. Modifier l'adapteur. Centre et partage. Mais moi, je vais dans propriété. Propriété pour que ce soit plus simple. Vous avez déjà les informations de celle-ci. IPv6. Ok? IPv4, voici son adresse IP. Ce que vous voyez figuré ici. ITEL, donc. Fabricant, c'est la marque de la carte réseau, donc on va pas trop compliquer. Version du pilote, ça c'est la version du pilote. Il faut faire les mises à jour. Après, ça c'est l'adresse MAC, comme je l'ai dit, qui est propre à chaque fabricant. Donc, soit je peux faire modifier ici, donc vous pouvez modifier par là aussi. Ça c'est l'autre machine, hein, qui nous a dit qu'on a modifié les paramètres. Il faut qu'on rentre les bonnes adresses. Donc on va faire les tests de fin tout à l'heure. Donc on va fermer tout ceci. Et puis vous, je vous conseille de faire pas mal de choses. Donc, d'expérimenter. Ce qui vous ne parle pas, ce qui ne parle pas de vous, ne faites rien du tout. Donc là, on était là. On va dans propriété. Pour plus simple. Là, vous avez de toute façon, vous allez sur Internet. Directement par là, vous aurez centre de partage, vous y allez. Et si je fais état, vous retournez ici. Donc, vous allez dans propriété, vous aurez des informations telles que ceci. Configurer par feu, ça c'est autre chose. Obtenir un LED, comme ça vous apprenez tranquille. Donc, moi je vais sur Ethernet. Ok, à gauche, Ethernet. Et j'ai centre réseau et partage, je clique là-dessus. Les autres, c'est autre chose. Je ne vais pas là-dessus. Et vous avez les failles. OK. Ça, c'est la carte réseau qui est reliée directement à mon réseau. Modifier les paramètres avancés, ça, c'est autre chose. Donc, on ne fait pas ceci. Vous pouvez y aller si vous voulez, mais faites pas des conneries. Ce qui vous ne parle pas, voilà. Vous aurez directement les D4 réseaux que je vous ai donnés. FAI, c'est celui qui est relié à ma box suite. 4 réseaux 2, ça, je peux bien le connecter sur l'autre réseau. Autre chose, mais on a déjà vu pour le réseau. On fait un clic droit dessus, on fait un propriété et on fait oui. Et une fois qu'on fait oui, on a dit qu'on va pas s'occuper.
on était là tout à l'heure, hein. On va pas s'occuper du protocole de version 6, ok? Donc, ce qu'on fait, on décoche ici pour fixer une adresse IP. Et si on voit les informations ici, on va y revenir. Si on fait double clic là-dessus, vous aurez ceci. Double clic simplement, vous aurez ceci. IPv6. Internet, bon, lui, il est configuré à IPv6 parce que les failles fournissent déjà IPv6. Donc, faites détail. Et DHCP, vous voyez que c'est oui. Cette machine reçoit une adresse IP via DHCP. Maintenant, pour le fixer, donc ça va être adresse IPv4 qu'il a reçu via le protocole DHCP, c'est le 31. Soit on le fixe ou on peut fixer le 31, mais on peut mettre autre chose. On peut mettre 32 ou 34 ou 30X jusqu'à 254. Et puis vous avez le masque de sous-réseau qui est de 355. Ok, 255. .255.255.0. Donc ça c'est un adresse IP de la classe C que je vous parlais tout à l'heure. Et si vous voulez le modifier, comment ça se passe? Vous revenez en arrière, vous faites propriété. Il y a plusieurs façons. Vous faites oui, vous serez amené ici. Donc vous décochez l'IPv4. Tac. Et puis vous faites OK. Vous voyez qu'il n'y a pas d'information. Mais là, vous faites utiliser l'adresse IP suivant. Donc là, vous allez fixer. Donc, cette version 192.168.0. Attention, l'adresse IP de la classe C, toujours 192.168. Donc, il y a un autre tutoriel qui va venir là-dessus. Cette machine avait la 31. Je vais mettre la 32 ou la 37. Pour vous dire que j'ai. Voilà. OK. Donc, vu que c'est de la classe C, c'est un réseau entier. Ça n'a pas été découpé. Donc, si vous cliquez, ça va vous faire ceci. Ça va vous donner ceci. Là, vous pouvez le laisser puisque c'est une adresse, c'est un masque de sous-réseau de la classe C. Donc, il y a 255.255.255.0. Ah, la Pascal parle de faux. Moi, je sais ce que je vais mettre. La même manière, vous faites un Windows plus R. Et vous faites un CMD par là. Et vous faites un IP config par là. IP config par là. Moi, je vais le mettre en grand, comme ça vous allez voir. Et vous avez normalement la passerelle par défaut qui est ceci, qui est un IPv4, hein, IPv6. Donc, moi, je ne veux pas utiliser IPv6 avec vous. Donc, je vais prendre celle-là. IPv4, c'est ceci. Parce que IPv. Voilà. Donc, là, j'ai l'adresse IP de mon routeur. Les choses que je vais changer, comme je vous ai dit, que je ne vais pas le laisser comme ça. Les gens qui vont venir aussi pour faire le malin, ce que vous aurez récolté, ça, c'est votre problème. Désolé, il faut respecter les choses, les principes de base, il faut les respecter. Ça n'a pas changé la même façon de faire pousser une graine. Ok, la même façon de concevoir la vie, la même façon de que ça existe toujours, même si vous compliquez les choses, ça ne sert à rien. Respecter la vie, il y a un créateur pour tout le monde. Ce qui fait que voilà, donc 168, 200, là, vous voyez, c'est genre de choses que je me suis trompé. 255, et là, c'est un 0. Là, c'est correct. Et le serveur DNS par défaut, c'est fixé. Donc, vous voyez, là, ce que je vous ai déjà montré, c'est... Voilà. Donc, je pense que vous aurez compris. Il y a tout qui va pas. 168.255. Ah ouais. Qui ne va pas. C'est celui, c'est D54. Voilà. Fais voir. Là, il y a un... Voilà. Parce que vous ne faites pas les choses bien, ça vous génère des choses comme ça. Ça ne sert à rien de laisser comme ça, ça ne fonctionnera plus. Ok. Après, on va faire des trucs différents pour mettre fin à ce tutoriel. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Et puis voilà, donc ça fait 192.168.0.1.37, ça c'est l'adresse IP que j'ai donnée. 255.255.0, l'adresse IP correcte. Ok. Voir ce que ça dit. Avertissement, la passerelle par défaut n'est pas sur le même. Ah, la passerelle par défaut, simplement qu'il y a un souci. 192.168.0A. C'est pas 255. C'est 0. Vous voyez qu'il n'y aura plus cette erreur là. Voilà. J'ai vu que ça avait la 31. Et là, j'ai la 37. Ok, ça marche. Donc si je fais. Si vous restez à la fin, vous aurez deux techniques. Ça fait IP.
figue. Et là, si je mets ça en grand, vous avez toujours 31. Pourquoi? Parce que ça n'a pas pris en compte les paramètres encore. Okay? Et si on voit ici, je fais OK, on va aller dans faire OK. Hein? Là, c'est normal, je vais perdre la connexion là-dessus. Là, par contre, vous devez noter ce que vous notez. Parce que vous avez vu le bourbier. Et je pense que vous aurez suivi jusqu'à la fin. Si vous avez suivi, vous allez comprendre ce que je viens de faire là. Et vous sentez... Là, c'est pareil, la même erreur. Bon, OK. Là, c'est sur les trois machines que j'ai testées. Donc là, on est revenu sur la machine originale que je n'ai pas testée. Je n'ai pas modifié l'adresse IP. Donc là, j'ai modifié l'adresse IP sur celui-là et sur cette machine-là. Donc c'est normal que vous avez vu l'erreur tout à l'heure puisque j'ai modifié les paramètres. C'est normal. Maintenant, si je veux me connecter sur ces machines-là, donc je vais m'occuper du portable. Donc je lance une nouvelle connexion. Là, pour le portable, j'avais mis 7 ou 9. J'avais mis 9. Donc là, OK, parce que là je vais faire le mot de passe pour cette machine. Là c'est bon, vous voyez que ça répond. Là c'est bon. Et là on est sur, attention, on est sur cette machine qui est YUD. Attendez, parce que là, il n'y a pas YUD. Désolé, YUD, il est là. On est sur cette machine. OK, tout à l'heure, j'ai modifié l'adresse IP. C'est normal qu'il n'a pas répondu. Là, j'ai mis... Tout à l'heure, ça avait l'adresse IP 4. Pour 4, là, j'ai mis la .7. En aucun cas, je vais pouvoir le contacter comme je viens de faire en bureau à distance. Là, c'est normal. Ça, c'est l'adresse... Ça, c'est le réseau 192C. Ça ne répond pas. C'est normal parce que j'ai modifié l'adresse IP. Là, par contre, ça a repris parce que j'ai mis les bonnes adresses IP. OK, là, vous voyez que c'est la .9. Et si vous voulez voir plus simple, vous voyez que, détail. Là, vous avez le serveur DHCP qui est non, puisque j'ai fixé l'adresse IP tout à l'heure. C'était oui, hein, vous avez fait attention. Hein. Tant pis pour vous, moi, je sais ce que je sais. Moi, si je dois me sortir, je dois me sortir avec. Et puis, je dois m'en sortir avec. Il faut que je m'en sors avec. Avec les conceptions de base. Ce n'est rien. C'est les réseaux informatiques. Voilà, et là, si j'ai là vous avez vu que c'était ça, la .4, ok, qu'il avait. Donc si je fais un IP config là encore, vous allez voir que config, vous allez voir que c'est la .9 au lieu de la .4. Bon, ça c'est le résultat de l'autre réseau, mais pas celui-là. Celui-là, je vous assure que ça fonctionne parce qu'il a détecté qu'il n'a pas trouvé l'adresse IP qui a été donnée. C'est pour ça que ça fait ça. Donc là, j'ai la .4. Ça c'est l'ancienne configuration qu'il avait. Et là j'ai la .9 que ce que je lui ai mis. Voilà, comme ça pour fixer une adresse. Même si vous n'avez pas tout compris, mais je pense que j'ai bien fait, j'ai fait mon maximum, sinon je peux en faire d'autres. Donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites-moi des commentaires, comme ça je vous explique en beaucoup plus simple. OK, là c'est bon pour cette machine, je me suis reconnecté. Maintenant, admettons que je dit que par cette machine qui avait la 31, si je fais ceci, là la connexion ne va pas passer parce que j'ai changé de module, j'ai changé les paramètres IP. OK, puisque j'ai changé les paramètres IP, ça répond plus. OK, maintenant j'avais mis la 37. Voilà, tout simplement il faut juste que je enlève le 31 puisque j'ai fixé une adresse IP. J'aurais bien fixé la même, hein. Mais j'ai dû, je vais mettre la 37. Là, vous voyez que ça fait autre chose. Ça me dit que je dois mettre le mot de passe pour la session. Parce que l'histoire des mots de passe là, avec le bureau à distance, si vous n'avez pas de mot de passe, vous ne pouvez pas vous connecter. Là, vous voyez que c'est autre chose. Test de fin. Après, je me fais un tutoriel. Et là, je ferme ceci. Et je fais ceci. Je fais IP. Config. OK, IP config, ça me fait ceci. Là, j'ai la 37 que je viens de fixer. Si je fais en couleur,
Du couleur obscur. Ah, ça l'a pris, mais j'ai pas mis par exemple A qui est la couleur verte. Là, c'est bon pour vous dire que j'ai mis au lieu de 31 ici, c'est comme ça. Donc, je pense que par exemple, vous avez suivi, c'est correct. C'est la fin de ce tutoriel. Celui-là qui est connecté. Si je fais, je quitte, ok, je fais ok. La connexion à distance, c'était pas le but du tutoriel. Connexion à distance, je fais OK. Si je mets 4, l'ancienne adresse IP de cette machine, vous allez voir, ça va nous générer une erreur. Il y a déjà 18 heures. OK, ça ne répond pas. C'est comme ça, faut fixer une adresse IP. Ça peut se marcher correctement. 18h. Donc 18h, 18h, c'est bon. Puis là, je vais mettre la 37 que j'avais mis. Vous allez voir que ça va faire autre chose. Non, c'est pas 37, c'est 9. Ah, désolé. Là, je confonds. C'est comme ça, des fois, ça fait ça. Donc, il faut, voilà, c'était, voilà, je suis obligé d'attendre que ça fait. C'était pas 37 que j'avais mis, c'était 9. Vous allez voir, vous voyez. Et là, je dois mettre le mot de passe. Voilà. Et voilà. C'est comme ça pour fixer une adresse IP. Puis vous avez plus de, plus de beaucoup d'informations que je vous ai fournies. Donc, je vous abonner à cette chaîne. C'était, voilà. Donc, à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte.